Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de l'exploitation ardennaise. Je suis en compagnie de Ben, salut à toi. Salut à toi et salut à tous. En compagnie de Bruno. Salut à toi Val et salut tout le monde. Et en compagnie de Denis. Bonjour. Donc Denis est donc un abonné qui nous file un coup de main parce que sinon on n'était que 3. Philou n'est pas là pour cet épisode. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu au programme? Eh ben déjà, il y a un de vous deux qui va emmener Ben. Enfin non, Ben, tu as déjà le tracteur pour partir, toi, je crois. Hein. Non, faut m'emmener là-bas. Voilà, non, donc. Je vais l'amener. Denis va emmener Ben au champ. J'espère que tu sais conduire. Hein. Pour ramener de la paille. Ouais, t'inquiète. Et moi et Bruno, on va commencer à attaquer les champs. Donc tu sais quoi, Bruno, à la rigueur, t'as qu'à commencer à faucher en attendant, parce que moi, je vais donc aller. Je vais donc aller rejoindre les collègues pour leur demander de l'aide. Ouais. Donc tu commences à faucher là au champ où il y a les bottes, hein, Bruno. Ouais. Voilà. On va faire ça comme ça. Par contre, le seul petit truc. Détache. C'est ce qu'il fait, t'inquiète pas. Le seul petit truc con que je viens de penser, c'est que quand je vais faire l'ellipse, en fait, on m'entendra dans sa vidéo, mais pas dans la mienne. Mais après, quand il viendra, ça sera pareil. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Donc maintenant on va faire un petit récapitulatif. Donc eux, on va leur demander de moissonner le champ 31 et 21. Ouais, de le presser également. Salut les filles. Et puis non, on va leur demander juste de moissonner et de nous faire les patates, parce qu'il y a un champ de patates, c'est le champ 23, voilà. On va leur demander de faire ça. Et puis après, bah, quand ils auront fait ça, ils viendront nous recontacter. Donc vas-y, ah, Bruno, tu peux commencer à les faucher, tu peux prendre le petit Kubota si tu veux. Hein. Denis, t'as conducteur de l'extrême. Première descente dans la barrière, allez hop. Moi je vais prendre le Fen, non? Oh, prends le Fen, moi laisse-moi le Kubota alors pour moi. Alors sinon j'avais un petit truc à dire, un petit message à passer. Aujourd'hui je ne suis pas avec mon livre exotique, je l'ai passé à Philou, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est absent. Voilà. Ah d'accord. Donc bah écoutez, on va se retrouver d'ici quelques instants pour une petite ellipse. Allez, à d'accord. Tout de suite. Re les amis, donc voilà, j'ai contacté l'entreprise Jouon, maintenant ils vont commencer à travailler. Maintenant, la question existentielle qui m'a posée, est-ce que quelqu'un, donc il y a Ben, toi t'es en train de faire les bottes, c'est ça? Voilà, je suis en train de poser les bottes sur le plateau. À la rigueur, Bruno, t'es en train de commencer à faucher, toi? Je vais commencer. Ouais. Denis, est-ce que tu pourrais... Est-ce qu'on a une remorque de disponible, nous? Ouais, on a une benne là-bas disponible. Ok. Est-ce que tu pourrais prendre le... Bon, tu peux prendre le Renault si tu veux. Non, laisse-nous peut-être le Renault si jamais on doit aller au champ. Hein? Ah bah ça, si tu lagues, je peux pas y faire grand chose. T'arrives à faire quelque chose ou pas? Bah ouais, mais quand je tourne, ça fait un... Je bug un peu. Ouais. Bah écoute, je vais prendre ta place, c'est pas grave. Tu vas faire les balles, je vais prendre ta place. Bah non, justement, s'il lag, ça va être encore pire. Ah ouais. Changer les bottes. Non, écoute, ce que tu vas faire, Denis, t'as qu'à prendre le classe, là, le plus gros tracteur. Tu accroches la remorque et puis tu vas aller les accompagner à la moisson. Okay. Comme ça, tu te déplaceras un peu moins, tu lagueras peut-être moins, on va dire. Donc je vais juste leur écrire pour leur dire qu'il y aura une benne qui sera fournie avec. Une benne sera envoyée. Par contre, les gars, ne montez pas à deux dans le Renault. Pourquoi? Ça bug, dès que tu sors du Renault, tu t'arrives sur la map. D'accord. Ah, le Renault, je vais le ranger parce que... Voilà. Switcher, n'importe comment j'ai écrit ça, moi. Bon. Alors, Bruno, moi, je vais... Oula, je lag, là, d'un coup. Je vais donc aller chercher... Ah, merde, déjà, je pars du mauvais côté. La charrue, n'importe quoi. Ok, pour les patates. Ouais. Donc, Denis, tu vas au champ 23 pour les patates? Ok. Et là-bas, et puis là-bas, tu attends que l'arracheuse arrive. Et puis une fois que ça sera plein, tu viendras stocker à la ferme, d'accord? Ouais.
Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, moi je vais aller. Bah non, je suis con, c'est Bruno qui fauche. Putain, je suis à la ramasse ce soir. Je vais aller chercher mon endenneur. Si je pouvais ne pas laguer de préférence. Je sais pas ce qui se passe là ce soir. C'est samedi soir en même temps, faut pas s'étonner. C'est samedi soir. Si les gens ils font comme Ben et qu'ils vont tous sur les sites interdits en même temps, ça se comprend. Non, je suis à l'ancienne, moi je regarde les livres. Ouais. C'est mieux. Ouais, tu m'étonnes. Bon. Ça donne beaucoup moins de virus. Ouais. Enfin, si je vois un virus, c'est bien toi le virus. Ah ouais, non, mais je tourne à combien d'MS là? Oh, j'ai de ces pics, laisse tomber. Ah, il y a quelqu'un qui est passé avec l'arracheuse. Bah, t'es déjà parti, Denis? Ouais. Ok, bah, l'arracheuse arrive. Hein. Ok. Je crois que l'arracheuse s'est trompée. Ah non, il s'est planté, je crois. Alors, on est parti. Bon, bah, il faut que je prenne. Ah mais c'est parce que t'es trop à l'extérieur, Bruno. Il y a une limite. Il y a une limite sur la Belgique profonde aussi. Alors moi je sais pas pourquoi là ce soir je suis en mode lagage. Là. Ouais moi aussi. Pas moi, je suis très fluide. Ah ouais? Ah ouais, très fluide. Je vais mettre aussi fluide toute ma vie. Alors je vais regarder vite fait si par hasard. J'ai pas le deuxième PC qui aurait eu la bonne intelligence de télécharger les mises à jour. Ce que je sens parfaitement possible. Bah non, il a rien téléchargé. Pourquoi ça lag comme ça? Voilà. Maintenant, moi, je vais être obligé d'attendre que Bruno y fasse plusieurs tours quand même avant d'en aider. Mince. Non, moi, c'est vraiment par à coup. Hein, c'est petit temps. Hein? De temps en temps, ça me fait des temps. Ah ouais? Des petites virgules, comme on dit. Des petites virgules. Ah, ah, c'est pareil. Pardon, Denis? La machine est arrivée. Ah bah c'est bon alors, ouais. Si jamais il y a un souci technique, tu me tiens au courant. C'est bizarre, okay. Parce que là, à pied, je ne lag pas, mais quand je monte dans le Kubota, je lag. Alors expliquez-moi. Ah mais je crois que le Kubota, il bug. Non, non, mais c'est pas le Kubota, parce que moi j'étais très fluide d'habitude, à mon avis, je dois avoir quelque chose. Je prends le Kubota, moi je lag à mort. Il y a quelque chose qui doit se passer. En fait, le problème qu'il y a, c'est que les mods, ils sont très bien, mais malheureusement, des fois sur serveur, je le constate moi-même pour mon propre serveur, hein, des fois je teste des mods en solo pour tout simplement les tester et puis les envoyer sur serveur. En solo, ils marchent très bien, tu les mets sur le serveur, tu cours à la catastrophe. Et là, je suis en train de faire de la merde avec les balles. Ah, et ben moi je vais tasser le silo de maïs en silage parce qu'il est pas tassé. Donc, je sais pas, je vais prendre mon vieux IH, ça devrait aller. J'espère qu'il monte encore. Oh, mais il fait un bruit d'enfer lui. Hein. Moi je vais prendre le merlot, tiens, pour changer. Ah ouais, il fait un bruit. Le IH, quand tu démarres, tu sais pourquoi il démarre. Hein. Non, mais le pire, c'est que tu l'entends. J'entends plus rien quand. Après, c'est... il fait tellement de bruit que tu peux pas les gens parler. Ah ouais, j'imagine. Hop. Comme vous voyez, aujourd'hui je suis sage, c'est parce que je bosse. Je suis en mode précision là. What? D'accord, le merlot ça s'annonce bien. Ah bah génial. Faut que j'aille chercher un tracteur, le merlot il monte pas sur le tas. D'accord. Ça commence bien. Alors, il veut pas tourner le tracteur? Ah ouais, je sais pas pourquoi je lag comme ça. Je suis un FPS constant, mais. Je sais pas pourquoi je suis en vitesse constant, mais. Enfin, en FPS constant, mais rien à faire, hein, ça lag. Hein. C'est, ce soir, c'est la connexion qui a décrété que. Pourquoi ils se parlent dans le chat? Parce qu'ils sont pas avec nous. Mais non, ils sont pas. Il y en a un qui est Denis, il est pas avec nous. Il est chez JD. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Je crois qu'on était 3 ce matin. Et voilà, putain, j'ai tout fait tomber. Tu vois, en parlant du chat noir, hein Bruno? Ouais, tout à fait. Attends.
F1. Pourquoi je me suis donné cette mission là? Ah bah écoute, hein, t'as dit que t'étais un bon chargeur, mais si t'es un... Non, j'ai jamais dit que j'étais un bon chargeur. Si t'es aussi bon chargeur que tu roules dans Spin Tier, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ah, c'était épique. En 2 minutes, ça s'est couché 3 fois. Ah ouais. Je pense que j'ai le record du monde. Non, non, mais comme là je lag, c'est pas possible, hein. Je vais devoir faire une ellipse ou couper ou je sais pas, mais là, ça peut pas aller, là. Je sais pas pourquoi je lag comme ça alors que d'habitude je suis extrêmement fluide. Moi je peux pas faire une vidéo comme ça. Moi ouais, c'est pareil avec les blocs et la musique. Ouais, et pourtant quand je descends nickel quoi, mais pour sinon rien à faire. Bref, c'est génial. T'as même pas remonté. Ah là je suis content, j'ai fait du bon taf. Voilà. Je sais pas pourquoi je rame comme ça, mais c'est l'horreur. Bizarre ouais. Tu changes de pagaie? Hein? Non rien, c'était une connerie. Oh ouais, comme là, d'hab, quoi. Oh là. Je pense qu'on va faire. Non mais là c'est carrément quand je recule, c'est genre 10, enfin entre 5 et 6 secondes après le tracteur il bouge quand même. Ah ouais, quand même. Et en fonction d'où je regarde, c'est pire. Hop. Oh, monsieur. Et maintenant je suis dans le mur. Putain, mais ils m'ont encore fait des balles de 180 et 160. What? Ah, faut charger ça. Non, c'était les autres une fois, d'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Bah là, je peux plus contrôler mon véhicule. Rien à faire, je peux pas contrôler mon véhicule. Bah écoutez, on se retrouve dans un instant. Re les amis, donc je sais pas du tout ce qui se passe, hein. Je vous garantis pas que ça va être fluide comme je sais pas quoi. Ma copine regardait un film en streaming, ça jouait, mais quand elle regardait son film, je laguais moins que quand elle ne regardait pas. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est qui fait que ça déconne. Je me demande si c'est pas ce putain de gaz là. Je vais faire un essai, je vais descendre et je vais monter dans mon Kubota et je vais tout de suite voir ça. Je suis descendu, je tourne à 30. Ouais, c'est pas stable hein, franchement. Je sais pas, vous tournez à combien vous les gars? Moi je suis stable, je suis à 40. Je suis à 30-40, mais bon, je lag quand même. Hein. Moi je fais entre du 30 et du 70-80. Ok, le Kubota qui recule tout seul, d'accord. Je sais pas du tout. Bon, là ça m'a l'air d'aller un peu mieux, mais bon, c'est vraiment pas le top. Hein. Je sais pas du tout pourquoi. Je t'ai racheté une d'origine, hein, Bruno. Ouais, ok. Ah, je suis vraiment fier de moi là. Oh, je vais la chercher. Bah, tant mieux, hein, mais moi ça me. Pardon ? Franck, il met ses gyros en plein milieu du champ pour me dire que je vienne, mais il n'y a pas la possibilité de passer. Non, je l'entends pas. Eh, franchement, on ne t'entend pas. Hein. Ah, bah, je peux pas faire mieux. Répète voir une fois. Je ne peux pas faire mieux. Non mais pas ça, je veux dire ce que t'étais en train de dire par rapport au champ. Hank qui a mis ses gyros en plein milieu du champ que je peux même pas passer. Ah, alors là je peux pas t'aider. Alors on va lire un message. Y'a quoi comme truc là? J'ai pas entendu. Et maintenant je suis dans le Renault et puis ça va à nouveau à peu près bien. J'arrive. J'arrive à la ferme, d'accord. Donc ça va à la ferme, je sais pas peut-être. Non. Il a dit qu'il arrivait à la ferme. User joined your channel. Ouais. Oui. Salut les gars. Salut. Salut. Ouais. Donc je suis venu vite fait de votre côté là parce que je crois que j'ai commencé un mauvais champ. Moi j'ai attaqué le champ 32 en fait. Je sais pas si c'était bon parce que. Le champ 32. Oh mais c'est pas grave, y a pas de souci. De toute façon faut le rentrer aussi. Hein. C'est du play. Ouais. Donc ouais, j'ai commencé à attaquer là.
Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, j'ai eu des problèmes en tout début de vidéo là. Enfin, Ouais. tout début là, il y a 10 minutes en fait. Avec un abonné en fait qui n'arrêtait pas de. Un abonné qui peut malheureusement pas jouer en fait. Et qui n'arrêtait pas de venir sur le TS et d'éteindre son le TS, allumer le TS, Et éteindre le TS. c'est bon, là je suis en train de capturer, mais c'est pas grave. Mais moi, ça fait 10 minutes que je lag comme un Oh merde! hystérique. Alors que Ouais, on lag j'ai tous, fait hein. une ellipse, j'ai coupé ma télé, j'ai tout éteint. Là, ça va Même un peu mieux, donc je me demande si l'ellipse. c'était peut-être pas ça. Hein. Ah ouais, non, il a pas arrêté de faire le con et il a pas arrêté de faire le con. Bon, après, c'est pas méchant, il voulait juste en fait. Il voulait juste bah, rester là en fait. Il voulait juste rester caché en fait, que personne ne le voit, mais voilà quoi. Ouais, d'accord. Bah ouais, bah moi là ça va à peu près mieux, mais bon, je tourne quand même encore entre 60 et Oh là là. 80 ms. Alors même Bruno lag, alors lui d'habitude il Eh lag Bruno, jamais. regarde ma belle remorque. Donc c'est étonnant quoi. Eh Denis, on Ouais. l'entend pas du tout, Ouais, c'est hein. étonnant parce que ça marchait super bien. Tu me laisses passer, Bruno? Vas-y, vas-y. Là, quand on a fait le test hier soir, c'était fluide et tout, Bah t'as mis hein. Ouais, mais moi tes gyros là? j'ai toujours été fluide sur la Non, j'ai carte, pas mes mais gyros. là je Bah sais mets pas tes gyros. pourquoi Ouais, tu tu vois. commences. C'est peut-être le fait qu'il a essayé de se connecter plusieurs fois sur TeamSpeak qui a fait que ça Ah faisait laguer ouais, peut-être, hein. il a Et pas arrêté, hein. la faucheuse là, tu sais, T'as celle qui se perdu une décale balle? sur le Ah côté non. C'est Ouais? vrai? Je l'ai Non, mais c'est un vendue et bug. j'en ai racheté une d'origine. Et ben maintenant Bon, Bruno il lag c'est moins et bon. moi aussi. Vas-y, vas-y. Ah Bon, Giro, d'accord. il est mis? Ah, peut-être elle Oui, faisait il est chier mis là. alors. Ouais, peut-être, ouais, je sais Ouais, pas parce que nous, pourquoi. le JCP, c'est pareil. J'ai été obligé de le vendre. Il fait laguer ce con. Ouais, bah Moi, je ouais, roule bah. avec le flash, mais je lag en même temps. D'accord. Il y Ouais. a. Alors, mais ça, normalement, on n'est pas censé laguer parce que c'est pas nos connexions à nous qui sont sur les serveurs. Ouais, bah là, on lag Ouais. C'est ça comme que je des. comprends pas. Parce que les serveurs sont des connexions indépendantes. Ouais. Comme le TS, que ce soit le TS ou que ce soit le serveur du jeu, Ils sont bien rangés, les c'est potes, Denis, des tu l'as vu? connexions indépendantes. Donc après, moi, je pense que peut-être c'est le mode réalistique qui n'est pas Ouais, c'est compatible. ça, ouais. Qui est pas adaptable. Ouais, alors au pire. Faudrait poser la question à nos deux clans d'abonnés, on va dire. Malgré qu'on sait qu'on a à peu près pareil les Mais mêmes, mais t'as arrêté t'en de as peut-être capturer plus que alors moi. là? Non, non, je continue toujours. Donc la question est, est-ce que le mieux c'est de continuer la série avec le MR ou alors de prendre Des véhicules MR. des véhicules d'origine en fait. Ouais, voilà. Non, des véhicules Ah d'origine, ouais, des ça. véhicules D'origine d'origine. et normal, Ouais, ouais. Les Ben, par véhicules normaux, exemple, quoi, les modes normaux, quoi, sans MR, un quoi. exemple tout con, je suis sur le tas d'ensilage avec le Renault, il saute. Tu regarderas dans la vidéo, Ouais. JD, le Renault, il saute. D'accord. Donc, je pense peut-être qu'effectivement, le MR n'est peut-être pas adapté sur serveur, hein, peut-être. Hein. Ouais, je suis en train de penser à ça, et C'est ce puis que je t'avais dit, JD. ouais, tu m'as dit, ouais. Mais bon, t'as vu, j'ai quand même essayé de passer toute la semaine à essayer de régler tous les bugs. Bah C'est vrai que ouais. Oui, bien sûr. ça pose. Ça, bah après, le problème, c'est que ça me pose des problèmes pour moi parce que voilà, j'ai pas pu tourner de vidéo de cette semaine, j'ai rien fait, quoi. Ouais, bien sûr. Bah écoute, le Voilà, mieux c'est ça ça. serait peut-être qu'on fasse un essai, comme Ouais, tu ouais. dis, et on regarde si on voit une différence ou Nickel pas. avec la faucheuse, le Val. Là, Ouais. ça va mieux, en tout cas. Bah voilà, tu vois. Moi, franchement, je suis fluide comme il n'y a pas. Je suis Ou franchement sinon, là, je suis on étonné. fait tout simplement un autre essai. On vend un jour tous les véhicules mode et on achète Ouais. juste les véhicules d'origine que t'as dans le MR. Tu vois, les deux, c'est tout d'origine qui sont à MR et on regarde si ça lag ou pas. C'est pour voir si c'est les modes ou si c'est le mode réalistique qui fait laguer. Ouais, bah, ou bien je vais demander à. Bah tiens, si tu regardes la vidéo en net, contacte-moi sur Skype, qu'on regarde le log du serveur et qu'on regarde quel mode est en échec. Il doit avoir un mode en échec et. Ouais, parce Il y a peut-être un mode en échec. On je va me de... je vraiment me demande regarder si toutes les c'est possibilités. pas le IH le 1255, parce que quand j'étais dedans, je ne le contrôlais plus, impossible de monter sur le silo. J'ai pris le Renault, ça va beaucoup mieux. D'accord, et le vent pas. Hein. Non. T'as un mode, si tu vois que t'as un mode qui déconne, évite, il faut pas le vendre en fait. Non, Tu mais peux je l'ai pas planter le vendu, serveur. je l'ai mis de côté et je l'ai laissé traîner. Hein. D'accord, bah moi je vais le désactiver du serveur et comme ça. Parce que si on le vend, on peut sauter le serveur. Tu te rappelles l'autre jour, je sais pas si t'étais là. Si, si, Ah si, j'étais. bah si, Si, quand on a si. réinitialisé les véhicules pour les ranger. T'as vu Y a comment ça. tout qui sautait, ouais. Ouais. T'as Ok. ralpatiné dans le Ok, temps ok. là. Bon, bah moi bah, je retourne avec mon équipe. Ok. Y a pas de problème. Par contre, attends. Je suis à 86%, il n'y a pas de grain dans mon truc. Ok, bon, bref.
Petite ellipse, allez. User left your channel. Bah, je peux pas tourner avec le tracteur. Mais... je t'ai fait un rangement, mais. Ouais, j'ai vu, elles sont bien rangées. Hein. Bah, si tu veux. Par contre, je peux pas les poser là pour l'instant, vu qu'il y a Brown. Ouais, qui est dans bah, laisse le tracteur là et viens finir de tasser le silo Ben si tu veux. Ouais. Moi, je vais commencer à faner. Si j'y arrive, je vais commencer à faner, bien sûr. Tac. Tu tournes toujours là? Ouais, je tourne. Je suis ouais. Planté, là. Bon. Le tracteur il s'arrête tout seul. Super. Tac. C'est impossible. On va essayer d'en dédier. Enfin, de faner plutôt. J'essaye de faire le mieux possible, mais c'est pas possible avec les lags. Je suis bloqué. Ah. Oh, tiens. J'ai une mission secours. Okay. Ah ouais, et ben moi. Denis, j'arrive. Le Kubota, il va pas au fanage. T'es quel champ? Champ 23. Champ 23? D'accord. Ouais. Bon, moi il faut que je change de tracteur. Désolé les amis si cet épisode est un peu. Est un petit peu. Freestyle! Un petit peu en mode bugage, ça me fait chier parce que c'est pas du tout ce que ça soit moi ou jouons, hein, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais malheureusement des fois on ne peut pas contrôler. Je peux rien faire. On ne peut pas contrôler ce genre de choses. Non c'est bon. C'est bon, t'es débloqué? Ouais. Donc je vais tenter de prendre. Je vais tenter le IH. Hop là. Et maintenant je lag plus dans le IH, tu crois à ça? Bah t'as dû avoir une baisse de. Enfin une augmentation de MS d'un coup en fait, enfin je sais pas. Ouais c'est bizarre. Mais là maintenant je suis fluide dans le IH plus ou moins. J'ai bien dit plus ou moins. Plus ou moins fluide. Hop là. Et j'ai aucun lag, je suis fluide. Ouais, tais-toi parce que t'es le chat noir, ne l'oublie pas. Qu'avec toi, ça peut aller vite les lags. Ah non, mais c'est la faucheuse en. C'est l'endaineur en bord réalistique qui endaine. Enfin, qui fane quand il a envie de faner en fait. Ça doit être en fonction du terrain, je sais pas, mais c'est bien chiant. Ouais. Ça porte bien son nom quoi. Ouais. Je vais bien vous voir. C'est bien. C'est bien chiant. Attention, j'arrive en face de toi. Ouais, je t'ai vu. T'as fait des coups de balle ou quoi? Écoute, Wolf, j'ai cherché la masse pour le. Ouais, vas-y. Ah, simulator. Ouais. T'as fait quelque chose ou quoi? Simulator. Attends. Qu'est-ce que tu disais? T'as fait quelque chose ou quoi? Oh, je l'entends pas. Non, j'ai rien fait, pourquoi? Bah, je sais pas, là, je bug plus. Oh non, c'est tant que le serveur se mette bien, je pense. Hein. Qu'il se cale, hein. On sait pas. Ouais. Je te laisse passer, vas-y. Il passe sur le canal de la ferme. Ouais, j'ai vu. T'as vu Bruno, regarde. Ouais, ça. Ça fane pas tout. Hein. Il fane quand il a envie de faner. J'ai parlé trop vite. Tu l'as, je te vois la ligne. Ça va, je suis fluide. C'est juste que. Enfin, plus ou moins fluide. C'est juste que en fait ça déconne. C'est pas top. Salut. Salut Andreas. Salut. J'ai une question. Oui, dis-moi. Attends, vas-y répète parce que j'étais dans un tracteur bruyant. Le maïs grain, je le banne où? Stocke-le à la ferme, s'il te plaît. Dans les silos, ok. Ouais, dans les silos, ouais. Allez, à la prochaine. Merci, salut. User left your channel. Hop là! Allez, c'est parti! Bon, bah, on va quand même tenter de faner. Même si c'est un peu chiant du fait que ça fane une fois sur 10. En fait, le mort réalistique est bien. Mais ce qu'il y a de chiant, enfin, c'est ce que je peux constater, c'est que c'est tellement bien fait dans un certain sens que si le terrain n'est pas pile poil plat, c'est mort. Ça veut pas. Trop bien fait. Parce que moi, par exemple, sur la Hagenstein modifiée que je t'ai parlé, Bruno, là, ouais.
Le mode réalistique, il marche, mais quand je te dis nickel, c'est nickel. T'as pas un bug, mais pas un seul bug, quoi. Je veux dire, quand tu vois que sur la carte, tu dois commander ton gasoil et tout, machin, t'as pas un seul bug, quoi. Ouais, effectivement, je vois tes virgules, là, Bruno, que tu me parlais. Tu vois? Et là, on le voit bien, ouais. Donc là, on le verra bien dans la capture, on le verra très bien. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on essaye, enfin bref, mais c'est vrai que sur la carte que j'ai fait la vidéo de présentation, vous verrez que... Putain, j'aurais pensé qu'avec la masse, je roulerais plus vite, mais non, pas du tout. Toi aussi, tu le vois, Ben, ce que je suis en train de faner, qu'il y a des endroits où c'est pas fané? Attends, je vais voir. Vas-y, vas-y, Bruno. Ah oui, il y a des endroits qui sont pas fanés, ouais. Je le vois, ouais. C'est quoi? Essaye une fois, toi, et tu me dis. D'accord. Attends. Ouais. Je te le mets, vas-y. Ça, c'est Bruno. Essaye voir, juste pour voir. Regardez le... Merde. Je vais manger des frites une fois. Hein, Bruno? Ouais, tu m'étonnes. Ça va ou ça va pas là? Avec lui, on dirait que ça a l'air d'aller. Non? Bah non, non. Non, c'est pareil. C'est pareil? Non, ouais, ça fait des bouts. Ouais. Je te laisse ça. Ouais. Attends, maintenant je peux poser une question. Bruno, laisse-moi juste passer une fois. Je vais essayer un truc. Hein. Gaffe, je suis derrière. Non, marche arrière, ça marche pas. Merde. Ah, mais je t'avais vu, t'inquiète pas. Ouais, parce que là je fan, mais bon, c'est... je pense que c'est en fonction du terrain en fait. Ben. Ouais. Tu vois de quoi je parle? C'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais bon. Ça marche pas, non? Bah, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche, mais ça me prend pas tout en fait. Il y a des endroits ça prend tout, il y a des endroits ça laisse des bouts, enfin c'est. Ça fait dégueulasse, hein? Ouais. Bah ouais. C'est surtout sur les bords, parce que là j'ai remarqué, je me rapproche un peu de l'intérieur, ça va un peu mieux. J'ai peut-être parlé trop vite aussi. Bon, déjà, les lags c'est déjà à peu près mieux, je suis à 30, entre 30 et 40 ms. Donc là je suis déjà plus content, donc désolé les amis si en début de vidéo c'était un peu chaotique. Mon excuse, hein, je peux pas, malheureusement je peux rien faire quand ça se passe comme ça. Maintenant ça m'a l'air d'aller mieux, donc je vais essayer. On dirait que ça va un petit peu mieux là. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Et toi, Denis, ça va un peu mieux de ton côté? Tu passes dedans? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, Bruno. Je fais le tour. Tu vois, là, par exemple, là où je suis venu derrière toi, Bruno, nickel. Tu vois? Chef, j'ai fini, j'ai quoi à faire, Bruno. T'as fini? Ouais. T'as déchargé et tout? Bah écoute, si tu veux, tu peux commencer à endainer. Ouais. Et tu me diras si l'endaineur il marche bien ou s'il pète tes plombs. Ça marche. Non, mais moi je suis tassé, hein. Je suis en train de tasser là. Ouais, continue de tasser et ferme le silo. Non, mais j'ai fini. Ouais, bah tu peux alors tenter d'endainer. D'accord. Oh, les lags que j'ai là. Ouais, c'est. Que j'arrive. C'est étonnant. Dès que j'arrive ici dans la ferme que je la connais. Ouais. Dans la côte. Et oui, j'ai repris mon Renault. Et j'ai beau repasser aux endroits qui n'ont pas été fanés. On veut rien savoir. C'est pareil. Ah si, des fois ça le prend, mais. T'inquiète, hein, je pars pas qu'il dans l'autre sens. Tu vois, je pense qu'il faut mettre que les tracteurs en MR et les outils, ça va pas mal. On va tester entre nous comme ça, je crois, pour voir déjà. Ouais, je pense, ouais. Alors, j'ai configuré la manette, on va voir si ça marche. Si je fais ça, non, c'est pas ça. Non, ça, je sors. Je l'attache. D'accord. Le tracteur n'avance plus, je sais pas ce qui se passe. Ah ouais? Je te jure. Ouais, c'est. Écoute, ça a pas l'air de. Hein? Putain. J'ai l'impression que ça marche pas.
Ah ouais? Attends. Si, ça va marcher là maintenant. Tu me dis parce que sinon je vais les contacter. C'est bon, ça marche. Regarde bien si ça marche partout quoi. Bah ça prend pas tout le monde quoi, l'air qui est pas fané quoi. Ouais. Vas-y Bruno, passe. Attends, ah, maintenant je me pose une question. Je vais essayer d'acheter la faneuse. Le seul problème c'est que ça la fout dans le... Non, je veux pas aller dans les modes. J'aurais dû passer à l'autre côté pour... Ouais, l'autre côté. Je refais demi-tour. Ouais, parce que là... Alors moi, ce que je vais faire là maintenant tout de suite, j'ai acheté une faneuse normale. Donc je l'ai achetée, je vais aller la chercher et je vais essayer pour voir. Hop. Ça sera mieux comme ça. Voilà, nickel. Bah j'ai l'impression que je prends même une fanée. On entend derrière du bruit, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout c'est quoi le bruit derrière. Je sais pas, je peux pas te dire, moi je suis dans mon IH, je vous entends juste vous, j'entends que dalle. Il est bruyant celui-là. Ah ouais, il fait un bordel. C'est juste infaisable avec ce putain de bordel. What? Ok. Ah si, t'as pas coupé ton micro. Ah si, j'ai coupé. Oh. Non, non. Faut que tu cliques sur le micro, t'as mis le texte sur ce qui est et tu coupes le micro. Je pensais que tu parlais pour moi, pour le mal de vente. Bon bah, j'ai acheté mal à tête. En fait, c'est grand champ là. Ouais, bah moi j'ai cherché une faneuse qui n'est pas en mode réalistique pour essayer pour voir si ça marche ou pas. Et Denis est encore là? Mais pourquoi est-ce que mon tracteur il donne des à-coups comme ça là? Il baisse ou pas? Il baisse ou pas? Les amis, on a pas de problème. Et il est là, Denis. Il doit se battre contre le lag. Moi aussi, d'ailleurs, actuellement. Donc, Ok, d'accord, c'est génial. Moi, je me bats contre rien du tout, c'est très fou. À part qu'on m'a fait un champ de barbare là. Ouais, ben. Attends, je vais essayer de. C'est d'en repasser par-dessus. Ouais. Ouais, mais j'ai acheté une justement en pas mort réalistique pour essayer. C'est une drôle. Ça lave encore. Oh. What? Eh, c'est pareil, regarde. Même avec du. Ah ouais. Bruno, lève ta faucheuse. Enfin, non, ça m'a l'air d'être bon là. Ah ouais, maintenant, ça marche. Maintenant, il prend, tu vois. Donc, ouais, ça confirme bien le problème du mort réalistique. Enfin, il peut plus baisser, là. Ça marche quand ça veut marcher, on va dire. Ouais, même ta machine, elle a sauté quand t'es passé là. Ouais, mais même, regarde, quand c'est décalé. Et du coup, je suis en train de faire un massacre sur le champ parce que je sais même plus où ça c'est. Ouais. Oui. J'avais mis un peu de temps avant, j'ai marqué et puis j'ai mis un peu de temps à aller. Donc, nous, ils ont fini le champ. Oui. C'était
c'est du maïs grain. Oui. On te l'a stocké. Ouais. Donc là, il y a un qui vient me chercher en fait. Qui vient me chercher au champ 32. Et comme ça, si t'as autre chose pour nous à faire. Je t'aurais bien dit de venir presser, mais vu que les foins là c'est techniquement pas possible, on a que des problèmes. Ouais, d'accord. Par exemple, un exemple tout bête par rapport à ce que tu disais avant, j'avais donc un endaineur, enfin un faneur en mort réalistique. Ouais. Tu regarderas sur la vidéo qui endaine, enfin qui fane ce qu'il a envie de faner. D'accord. Là, je viens d'en acheter un qui n'est pas en mort réalistique et ça marche. Donc je pense peut-être que le MR a un petit souci. Et alors attends voir. Je pense que les tracteurs en MR ça marche, mais les outils ça. Ça fout la merde. Donc bah, t'as acheté un normal alors ? Ouais, j'ai acheté un normal pour essayer, puis ça marche. Bon bah écoute, pas avec un normal. Bon, voilà, bah, désolé pour tous vos bugs encore une fois chez vous. Ouais, bon bah c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Hein, ouais, dit, donc t'achètes plus de véhicule qui va derrière, plus d'outils en MR. Non, non, voilà. C'est fini, ouais, voilà. Et les tracteurs en MR, et puis voilà. On va les désinstaller du serveur, comme ça on aura plus de bugs. Voilà. Bon bah je sais pas, tu veux que je te déchambre un champ, quelque chose labour, ouais. N'importe quoi. Ouais, vous avez fait quel. Le champ 23, il est fini en. Non, là non, je vais mettre. Non, non, je vais mettre un machin. Bah, le contre, il y a champ, pas mal de fêtes dedans. Le champ 8, tu peux. Celui que t'as moissonné, tu peux. D'accord, moi bon, je vais le déchauffer alors. Ouais. Ok. Je te vois à travers le tracteur. Hein. Bon, allez. Allez, à plus tard. Ah, ouais, tu me vois à travers le tracteur quand même. User left your channel. Mais le truc, c'est que je vois pas toi, je vois pas le je vois pas Meta. En fait, c'est un déchaumeur, ça c'est ce qu'on appelle un déchaumeur. Normalement, tu fais un tour dans un sens et l'autre tour dans l'autre sens pour faire l'andin ouais, en fait. Je peux pas aller dans. Ouais, je suis en tout cas dans le même sens et du coup ça fait que. Ça te fait à chaque fois un tas de plus en plus gros. Ouais, je fais une ligne comme ça, c'est pas plus simple. Et tu vois, là ça marche mon endaineur, enfin ma faneuse. Mais moi j'ai pas l'impression qu'il fait des tas. Hein. Si, tu regardes bien, tu vois des tas. Maintenant, ce que tu fais quand t'arrives au bout là, au bout, retourne de l'autre côté. Tu pars de l'autre côté, tu verras. En vrai, c'est comme ça que ça s'utilise ces endaineurs en fait. J'habitue à l'autre, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ça, je le prends jamais. Ah, que ça fait pas joli, joli. Faut que je fasse gaffe de pas faner ce que tu viens de faire, sinon il va me tuer, Ben. Non mais moi ça fait, il y a des endroits où ça prend pas non plus. Ah ben, ce qui est en vert foncé, c'est normal. Non, c'est pas en vert foncé. Ouais, donc ça déraille un peu, hein, le mot réalistique, je pense, je sais pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, alors là j'ai mal arrivé. Ah voilà. Salut Bruno. Tu vas bien? Ouais ouais. Range-moi cette bière tout de suite. enfin non, finalement Bruno, t'es un bon employé. Continue de boire. Ouais, ici ça prend pas là. Et Ben, toi, je t'aurais bien proposé quelques bières, mais du fait que t'as pas arrêté de coucher les camions, je peux pas. Attends, je recule, vas-y Bruno. Attends. Tu roules en quelle vitesse Bruno? Je suis en 2 là. T'es en 2? Ok. Ah, ça prend pas dans la côte. Hein. T'es en quelle vitesse? Enfin, combien de kilomètres heure, pardon? 12, 13. C'est bon, je suis à 11,9 moi, donc c'est bon, ouais. Je devrais pas trop te poser de problème. Des problèmes. Ah, moi, des fois, je vois la fauche avant que j'arrive. Là, ça marche pas, là, je passe dessus, ça marche pas. Bizarre. Vas-y, essaye une fois, je regarde. Et là, ça. Non, ah ça ouais. Pas, ah ouais, exact. Ah ouais, je tu vois. Passer moins vite, on va voir. Ouais, je sais pas si le fait de passer moins vite change, hein, franchement, je pense pas. Bah écoute, je vais faire que des petites longueurs là. Mais Bruno, à chaque fois là, tu t'appuies sur V ou t'appuies sur X là avec ta faucheuse? Parce que tu la replies à chaque fois là. Ouais, mais c'est pour faire. D'accord. Histoire de. Ouais.
En fait, il est très grand, ce champ-là. Hein. Bah, c'est sûr que quand on le fait avec du petit matériel, lui. J'avais pas fait gaffe, tout à l'heure. Putain, ouais. Il reprend une fois sur cinq. Je pense que tu vas devoir m'acheter un normal aussi. Je pense aussi. Parce que même qu'on a du petit matériel, c'est sympa de le faire avec du petit truc à plusieurs, mais c'est vrai. Si ça marcherait, ça serait encore mieux. Donc encore une fois, désolé les amis avec ces problèmes. Je sais pas si dans leur vidéo, bon apparemment ils avaient des problèmes un petit peu comme il a dit jouons dans les premières minutes de vidéo. Mais moi je vois que j'ai des problèmes tout le temps en fait. Nous sommes des soucis. Ça c'est depuis qu'on te connaît, chat noir. N'importe quoi. Ah regarde, vas-y, on se fait une partie de spin tir. Ouais, pas de problème. Ouais, tu verras. Moi je vais toujours à fond, je rentre toujours dans le tas et tout. Et moi je lui dis quoi? Je lui dis non, c'est pas un jeu, faut y aller en bourrin, faut y aller cool. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, regarde. Premier truc qu'il fait, il passe comme un bourrin. Il marche. Ah, Denis est bloqué. Il marche nickel. Troisième virage. 4 fails. Je vais dépanner. Ouais, vas-y. De toute façon, tu verras, Bruno, dans la vidéo, le pire en fait où il s'est fail, c'est on va à la Syrie, on charge du bois, on fait 20 mètres, il s'est couché. Ah, j'ai carrément mon antenneur qui glisse là. Tu verras que c'est de ta faute parce que t'as reculé, j'ai reculé, du coup, bah, tu m'as donné une mauvaise question. T'es quel champ, hein, Denis? 23, d'accord. Ouais, il se lance pas, tu vois. Ouais, tu jures. Ah, je me vois quelques petites fleurs. Des fleurs. Et bim. Avec un os. Ouais. Alors, le champ 23, d'accord. Le fail. Il est où, le champ 23? Non, non. Là, je fauche pas, tu vois, ça fait bizarre. Ça arrête encore le tracteur, c'est bon. Ah non, faut que je passe par là. Ah mais sur spin tir. Essaye encore. Il s'est signalé que je n'avais même pas 2 heures de jeu. Ouais mais même, je lui dis, tu sais, parce que moi sur mon spin tir j'ai quand même 16 heures ou 17 heures de jeu. Je lui dis fais gaffe parce que ce chemin je le connais, vas-y cool. Prends-le en 2 fois. Bah non, prends tout en 1 fois, ça passe. Avec un bordel, avec un camion 8 roues, avec une remorque derrière. Il voulait faire la Wall Again Beast to Fly. En plus, il savait qu'on était en vidéo, c'est ça le pire. Et il s'est dit, peut-être, soit il s'est dit, bon, soit je passe pour un con et j'essaye, soit je passe encore une fois pour un con, je dis des vannes pourries. Alors pour une fois, il a voulu changer, mais ça n'a pas loupé. Je vais revenir aux bonnes vieilles méthodes, je vais refaire des vannes pourries. Et le pire, Bruno, dans l'histoire, c'est qu'il se fail devant la caméra juste en sortant de la Syrie. Donc je dis bon, on va faire une ellipse parce que sinon il y a quand même du temps, tu vois. En cours de route, il part, il arrive à la Syrie, il se refaille une deuxième fois au même endroit. Non mais écoute ça. Et la troisième fois, il part du garage et il s'est planté, je sais pas comment il a fait. J'ai fait 3,50 m quand il s'est planté. Tu me déçois totalement, Ben. Je n'ai plus confiance en toi. Oh. Parce que t'as déjà eu confiance en lui. Un tout petit peu au début, tu vois, au début. Alors maintenant, je crois que j'ai plus confiance. C'est fini. J'ai fait une croix sur toi. Le perso, je t'enverrai un paquet de Kleenex si tu veux. Et je pense, je reviens sur un commentaire de quelqu'un qui m'a dit arrête de raconter n'importe quoi, Spin Tier passe sur tous les PC. Oui, effectivement, Spin Tier, le jeu officiel, passe sur tous les PC, mais la version bêta qu'il y avait auparavant, elle ne passait pas sur tous les PC, ça je tiens à te préciser. Parce que même avec ma config gamer sur la bêta, je tournais à 30 FPS, pas plus. Attends, hein.
Maintenant, même Ben, il arrive à faire tourner le jeu, donc c'est déjà étonnant. Ah oui. Parce que The Forest, c'est même pas la peine, l'ordi s'envole. Attends, on a un souci. Bah, je peux jouer à The Forest, mais. T'attends de te faire tuer 10 fois. Voilà. Et t'auras pas fait un pas. Ah, d'accord. Je sais pourquoi il avance pas. Pourquoi ? Denis, mais t'es 4 roues motrices. Ils y sont, hein. Ah, ils y sont ? Putain, faut que je te pousse, quoi. Pourtant, t'as la masse et tout. Ouais. Vas-y, accélère là, accélère, vas-y. Ah, excellent, Ben. Les bottes, elles se cassent la gueule du plateau. Non. Si ? Putain, je suis blasé. C'était trop bien mise en plus. Tout le boulot que t'as fait, Ben. Tu viendras voir, Bruno, tu vas rire. Attends. Je te pousse, hein. Eh, là, par contre, on aurait dû me filmer. Comment je suis super Ben là. Ah, bah, super Ben, il a tout qui tombe. Bon, tout y a ça, une... c'est propre, hein, Denis. Moi, je pense que tu peux rouler maintenant. Non, tu as encore un coup de pouce. Tiens, je te pousse. Là, je te pousse, hein, tout le long. Bruno qui se donne le style là en repliant la faucheuse et tout. Attention. Ah, bah, attends. Par contre, je me demande si t'as pas. Tu picoles, Denis ? Un verre à la fauche, je crois. Eh, c'est pas un verre sur le. C'est pas un œil sur le verre, un œil sur la route, hein. Tu vois, si des fois là où ça prend pas, si des fois je passe en travers, ça le prend. Bizarre. Ouais, je comprends plus rien, moi. Bruno, lui, il va nous dire, de toute façon, moi, j'ai jamais rien compris, comme ça c'est réglé. Au moins, il s'est pas cassé la tête avec ça. J'espère que ça sera corrigé dans le prochain Warming, hein, sans déconner. Je pense que Denis est un petit piccolo. Et comme Bruno dirait, il a des soucis techniques. Ça, c'est la phrase à Bruno. Ouais. Ah, c'est pas des soucis. Ah, il vient à la ferme. Ouais. Bah, nous, du moins, on aura tenté de faire les... Ouais. Bon, allez, faire les points. Je vois que t'as du mal, là. Okay. Je te pousse. Je te pousse. Qu'est-ce qui t'arrive, Denis? Je crois qu'il y a un mur invisible sur la carte. Ah non, c'est bon, je suis en train de le pousser avec la fourche, ça t'inquiète pas. C'est bon, j'ai débloqué. Est-ce que c'est parce que le tracteur patine en fait? Ouais, il est trop lourd. Ah tracteur, ouais, lourd. D'accord, mais c'est pour les patates aussi, c'est pour ça. Il est trop lourd. Vous voulez qu'on vous loue un tracteur ou quoi? Ouais, à la rigueur, ouais. On peut s'arranger à faire des locations si vous avez besoin de matériel, hein, y a pas de souci. Tu vois, parce que je pensais que c'était un mur invisible, c'est pour ça. J'ai eu peur, je peux te dire. Non, il est patiné. Donc, bah, il va falloir qu'on négocie le prix. Hein. Alors, pour les négociations de prix, c'est en privé. pour les locations. Donc, non, mais je pense, arrêtez-vous. Ce que tu peux faire, tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu détaches ta remorque et tu viens chercher un tracteur. Par contre, je te déconseille le 8530, je te le déconseille, il tire pas. Ouais. Je te conseille de prendre n'importe lequel que tu veux. Hein. Le Fend. Bah, le Fend, 936 varieux. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, okay. Denis. Et sinon, la location d'Escort Girl pour Bruno, c'est combien? Alors là, c'est cher. Alors, je peux t'envoyer Guigui. Ou alors Seb ou Anthony, c'est comme tu veux. Hein. Attention, je peux te dire que là, tu vas bloquer. Hein. Et par hasard, JD, est-ce qu'il y a une blonde aux yeux bleus dans le coin? C'est ce que Bruno préfère. Ah bah tiens, ça tombe bien, Guigui est blonde aux yeux bleus. Ah bah avec des gros seins? Ah non, des petits seins. Après, je veux pas tout dévoiler. Hein, c'est à Bruno de découvrir. Ah, il faut que tu découvres. C'est que c'est plaisir là, si je te raconte tout. Si je te raconte tout, c'est bon. Là, tu. Tu vas finir avec ta main alors que voilà. Et si tu veux, JD, moi je t'envoie Ben, il est aussi très bon dans la matière. Non, non, c'est bon, je préfère finir célibataire. Bah, JD, c'est toi qui l'as le Fen en fait. Hein? C'est toi qui l'as le Fen. Bah, c'est pas grave, tu prends un autre. Eh, le classe il tire pas parce que moi je suis avec mon Fen là, je tire ouais, tranquille. Je suis avec mon Fen Bordeaux, c'est pas celui-là que t'avais l'autre jour. Hein? C'est pas celui-là que t'avais l'autre jour. Tiens, les roues grises. Bah ouais, mais le mien il est Bordeaux là. Et je suis là à l'entrée.
Et je te le loue pas puisque je suis dedans. Tu vas chercher un autre. Denis, arrête, je dois déjà payer les chauffeurs. On va pas encore le payer. Hein. Il voit du Bordeaux partout, Denis. Hein. L'entreprise est dans l'autre côté, cher ami. Et il retourne à la ferme avec son tracteur. Il aurait pu laisser le sien là-bas. Bon, comme il veut. Hein. Bah ouais, laisse le tien là-bas parce que sinon, comment t'y vas? Ouais, c'est pas grave. Putain, il tire bien le petit Fenn là. Je suis content de lui. Bon, allez, Jeanne, je retourne sur mon canal. Ça marche. Bon, allez, c'est parti. Ouais, aujourd'hui, c'est l'outil fonction. Donc tu vois, Bruno, elles sont commandées, les escort girls. Ah, regarde. Te tracasse. Si Adriana 42, ça me fait plaisir. Bah, elle a des gros seins, t'aimes pas les gros seins, t'as vu. Ouais, mais bon, ça peut s'arranger. Ah, j'aurais fait un chargement de patates, j'aurais. Oh là là, j'en ai fait vite. Oh ouais, elles sont toutes tombées, pourquoi elles sont tombées? Et après, on ira sur Spin Tir et tu vas te ramasser des troncs dans la tronche. Oh mince, quelle histoire. Non, après, bah, je vais m'expliquer, Virgen. Peut-être pas. Je vois pas le bout du champ. Comment ça, je vois pas le bout? Bah, il va falloir si je tourne en rond, tu vois, mais je vois pas le bout finir. Mais par contre, mon bout, tu le vois bien, lui. C'est ce que j'allais dire. Merde, des patates, c'est vrai, c'est étonnant. Je suis fail, là. Moi, je te jure. Moi, je suis comme toi, Bruno, je vois pas mon bout. Comme dit l'autre, on n'est pas cher payé, mais pas sur le. Surtout avec toi. Mais Bruno, c'est normal que tu vois pas le bout. Mais en fait, ce qu'il y a dans le ventre. Toi, si tu veux, je te raconte une. Non, mais ce qu'il y a de marrant en fait, c'est que Ben et Bruno se complètent dans le sens où Bruno, lui, c'est des conneries et Ben, c'est des fails. Et les vannes pourries, putain, ça, je m'en passerai des fois. Oh, toi, tu dois l'avoir. Mais c'est quoi là, ce que tu m'as sorti sur Spin Tier, la blague pourrie, quand je te parlais de Fenn, de Fan, je sais pas quoi là, t'as dit un autre truc là. Je sais plus. Ouais, est-ce que l'autre t'a sorti ça, je me fais la quoi, moi je me fais dessus, je crois, j'ai dit. Je me fais dessus en fait, ça fait Fenn dessus. Non, je sais plus si c'était ça. On le verra dans la vidéo de Spin Tier. Ouais, voilà. Et par contre, Denis, tu peux récupérer ta remarque. J'ai dit Bruno, Denis. T'as dit Bruno. Ouais, Denis, tu peux récupérer ta remarque. Je suis laissé tomber. Eh ben, ça y est, Bruno, tu vois bientôt le bout là. Ouais, il a perdu 5 kilos. Hop là. Attends, Bruno, il se prépare, il va t'en sortir une bonne, tu vas rien comprendre. Je retourne dans mon vélo. Alors. Ah, mon petit Bruno. T'as vu cette synchronisation, Bruno? Ah, ça, t'as vu ça? Alors, on peut pas me traiter de fainé aujourd'hui. Qu'est-ce que attends. Non, c'est bon, t'inquiète. Parce qu'il s'arrête de temps en temps, tu vois. Ouais, voilà, il est comme le patron, hein, ou comme l'ouvrier, de temps en temps, il s'arrête. Hein. Quand c'est un peu le soir, là. C'est comme toi, Bruno, sur la map C-Check by Koufi, là. Ouais. De temps en temps, il s'arrêtait avec la moissonneuse, il invitait la seule blonde du quartier. Tu l'entendais plus, Bruno. Après, t'avais le dealer aussi qui était sur le point avec sa VM, là. Bah ouais. Tu te souviens? Ouais. Bah nous je pense qu'on va faire pareil, on va aussi s'arrêter. Donc bah écoutez les amis, moi j'espère que cet épisode vous a plu. On s'excuse encore des soucis techniques qu'on a eu en espérant qu'on va faire en sorte d'arranger ça pour la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. A plus les biloutes. Salut tout le monde. Salut.